Bon alors bonjour, moi je m'appelle Judith Chemla. Je joue dans le film de Noé Milvowski qui s'appelle Camille Redouble. Je viens du futur. Je suis en train de revivre mon passé. J'ai pas 16 ans, j'ai 40 ans. Lève-toi, y'a école. J'y vais pas, j'ai déjà donné. Et elle se retrouve l'année de ses 15 ans en fait. C'est-à-dire elle fait un saut de 20 ans, 25 ans en arrière. Elle retrouve ses amis d'enfance et elle redécouvre toute sa vie. Mais elle redécouvre les liens d'enfance, ce qu'il y a d'important, en fait, l'amitié, l'amour, et des choses qui, en fait, sont éternelles et qui ne passent pas. Même si le temps les a abîmées, elles sont toujours aussi vivaces. Et moi, en lisant le scénario, je lui ai dit, écoute, j'adore Josépha, je veux jouer Josépha. Ça me parlait, là où j'en étais dans ma vie, d'avoir un personnage fort. Comme Josépha. Donc je sentais que voilà, j'avais envie de ça, d'être un peu une âme de groupe, de chef, de groupe. Il fallait pas du tout que je regarde Noémie dans les scènes comme mon directeur artistique ou quoi. Il fallait vraiment que je prenne ce rôle et que ce soit juste ma copine, quoi. Et Noémie était assez intelligente pour pas nous faire sentir que c'était quand même le metteur en scène. On en avait parlé, elle nous faisait totalement confiance. Et tout ce qu'elle faisait, c'était de nous faire faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jusqu'à ce qu'on perde la tête, quoi. Jusqu'à ce qu'on devienne ivre de trop jouer les scènes. C'est merveilleux, quoi. C'est beau, sur les rapports humains. Vraiment, on se marre, quoi. Même en le lisant, c'est poétique, c'est beau, ouais.